Il a pris deux phrases. Une phrase qu'on peut dire d'inattention. Mais moi, j'écris avec mes codes, je suis algérien. Chez nous, on peut dire qu'un camion est sorti sans regarder à droite et à gauche. Ça se dit couramment chez nous. Ça ne se dit pas en France. Je le regrette. Avec deux phrases. Un camion sorti brusquement d'une plantation sans regarder à droite et à gauche. Et avec une autre phrase qui disait « Les coups durs, loin de nous terrasser, nous rendent plus forts. » Il a détruit ce livre. Il l'a détruit. Pour la première, il dit qu'un camion, ce n'est pas possible qu'il sorte de quelque part, qu'il regarde à droite et à gauche. J'ai dit « Ok ». Mais lui, il a dit « Yasmina Khadra écrit comme une casserole ». Donc si un camion ne peut pas regarder à droite et à gauche, comment une casserole peut-elle écrire? Par exemple. Et pour lui, la deuxième phrase, c'est ma vie. Ce sont les coups durs qui m'ont rendu plus fort. Depuis l'âge de 9 ans, j'étais ravi à ma famille, enfermé dans une caserne, traité comme un adulte. J'étais en prison à l'âge de 8 ans pour des petites insubordinations de traitement. Et ça a été toute ma vie un jalonnement de déboires, de déconvenues. Et ça m'a rendu plus fort. Ce bonhomme ne saura jamais ce que c'est que le courage de se battre. Parce que les coups durs, rien, loin de nous terrasser, peuvent nous rendre plus forts. Moi, ça m'a rendu plus fort. Voilà, avec deux phrases, il a détruit un livre merveilleux. Voilà, j'ai écrit ce livre avec un bonheur, mais absolu. J'étais heureux, j'étais dans la musique. Je voulais que mon lecteur aussi chante et danse avec moi. Et regardez comment cette impunité rend les choses impossibles. Regardez cette prétention qu'ont certains de juger la générosité des autres. Moi, je n'ai jamais médit d'un écrivain, je me l'interdis. Et je n'ai jamais médit d'un artiste. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des nécessités absolues. Nous en avons besoin. Qu'il écrive bien ou mal, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'il puisse écrire et me proposer une histoire. Même si c'est mal écrit, mais c'est quand même une histoire et il le fait pour moi. On ne peut pas incriminer quelqu'un qui ne cherche qu'à donner le meilleur de lui-même. Et tous les écrivains, bon ou mauvais, essaie de donner le meilleur d'eux.